Et salut tout le monde, c'est Allo48, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Farming Simulator. Donc c'est le deuxième épisode si je me trompe pas. Donc désolé pour le retard parce que ça va bien faire un mois que j'ai pas tourné l'épisode de Let's Play. Mais déjà je manquais de temps et puis je manquais de vidéos aussi. Donc là je commence à récolter les œufs de poule. Donc il en reste 4, on essaie de les trouver là. C'est bientôt Pâques, alors on s'entraîne. Là, sauf que ceux-là ils sont pas décorés. Donc voilà, il y en a plus. On va tout de suite aller les vendre pour gagner un peu de sous. Donc je vous rappelle que la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté une ruche qui est là-bas. Là-bas. Donc elle nous rapporte toutes les heures de l'argent. Donc si on regarde l'argent qu'on a, quand ça va passer en vue, normalement on va gagner de l'argent. Si je me trompe pas, je crois que c'est toujours à des heures pleines. On va bien voir ça. Je vais regarder l'heure en même temps que j'avance vers là où on vend les œufs. Donc il reste 13 secondes, un peu plus. Donc ça passe à 11h. Donc 258, ça descend, c'est normal parce qu'on doit aussi payer l'entretien de nos véhicules. Alors le vent, ouais, donc ça nous rapporte à peu près 200 €. Je ne sais même plus ce qu'il y avait marqué avant, donc ouais, à peu près 200, parce que je crois que c'était 300. Oui, c'est totalement logique puisqu'on a vendu 10 œufs. Oui, il compte cher les œufs. Alors dans 5 secondes, on va bien voir si ça augmente. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser avec les bobottes. On va acheter un chariot élévateur avec l'argent qu'on n'a pas, donc on va faire l'emprunt. Et attention, ça va passer à 11h. Attention. Ça va avancer là. Oui, donc on a gagné à peu près 100 €. Un peu moins. 60 € je crois. À peu près, donc de toute façon c'est marqué ici. Ici. Ouais, voilà, 60 €. On coûte 8 € par jour et on nous rapporte 60 € par c'est assez rentable. Là on peut très bien rester comme ça, rien faire, et on va gagner de l'argent. Donc comme je vous ai dit, on va aussi trouver des bottes. En votre absence, je vais continuer à faire des bottes, du coup il y en a pas mal. Pas énormément. Hein. Ils sont dans le champ et je suis obligé de les laisser, voilà. Donc 1, 2, 3. Alors qui est cache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc il y en a 8. Donc on va les récolter, enfin les ramasser et aller les poser dans la ferme pour quand on aura des vaches leur donner à manger. Alors on va se faire tout de suite un emprunt en appuyant sur insert. Emprunter. On va faire un emprunt de. Donc celui qu'on va acheter là, le chariot élévateur, il fait 16 000 €. 26 000 €, je crois. Ouais, 26 000 €. Et après il faut racheter ça, la fourche pour les bottes. Donc 26 000 €. Ouais. On emprunte. Voilà. 30 000 €, ça devrait aller. Alors, on va acheter ça avec ça. Ensuite, normalement, pour les transporter, on les met sur un plateau. Est-ce qu'on va avoir assez? C'est où les plateaux? C'est dans les palais. Voilà. On a presque assez. De toute façon c'est quasiment inutile vu que là c'est tout de suite à côté l'endroit où on va les placer, c'est tout de suite à côté du champ. C'est pas une grande distance, on va les faire directement avec la machine. Donc voilà, on approche avec la souris sur un clic gauche pour faire monter et descendre la poche avant. Avec le clic droit
machine. Toute petite machine, enfin pour avoir plus gros, mais là on peut pas se permettre. Donc voilà, c'est bien pour débuter. Il y a des gyrophares. Oh, regardez. Il y a des ballons. Ça veut dire qu'il y a plein de promotions, ça. Alors, promotion. Dans l'onglet promotion. Ah oui. Ah oui. C'est qu'on a même pas assez pour acheter un seul des trucs là. Bon, tant pis, c'est bien les promotions. Mais on peut pas en profiter. Donc, vous voyez en bas que j'ai installé un petit bot qui me permet de voir le nombre de joueurs qui ont passé les années de véhicules. Et aussi de mettre le véhicule à feu. Voilà, je suis arrivé, j'ai garé ma machine ici. Avant de continuer, j'avais promis à une personne de lui montrer où était le silo où on remplissait la machine qu'il voulait. Donc il voulait remplir une machine, je vais vous montrer à laquelle il voulait remplir, et il savait pas où la remplir, donc je vais lui montrer. Épandeur à fumier, mais si je charge dans le mauvais truc, ça va pas le faire. Épandeur à fumier, voilà. Donc il voulait remplir une celle-là ou bien celle-là, je sais pas, il m'avait dit que c'était une des deux là. Donc tu la remplis ici avec un chariot élévateur comme celui qu'on a là-bas que je viens de conduire. Hein. Petit rouge là-bas, avec une à l'avant une pelle. Je crois que toutes les pelles marchent. Et bah voilà, tu tapes dedans et puis tu vides dans ta remorque et normalement ça marche. Et voilà, donc on va continuer sur les bobettes. On va aller les chercher. C'est pas toujours facile de les attraper, ça joue toujours, ça marche pas. Mais j'ai déjà perpendiculaire à la bobette. À peu près au milieu. Là, c'est planté, même si c'est pas bien planté, c'est pas grave. Ça tient. Mais c'est essentiel. C'est parti. Donc, moi, je vais essayer de les ramener une par une. Les bottes les unes sur les autres et les ramener par deux ou par trois, ça risque de tomber. Et encore, j'ai de la chance, je ne sais pas si vous avez joué ou pas, évidemment, mais c'est bien plus dur. Et quand vous la tirez, ça tire toujours mieux qu'avant. Voilà, on continue. On a la vie, et on va s'amuser à les entasser. Voilà, on a
faire du stuff pour qu'on aura des animaux à nourrir. Quand on aura un stock, on pourra commencer à faire un élevage de vaches et de moutons. De terre, donc on va en profiter pour aller les vendre. Ça nous fera de l'argent. Et vous voyez qu'en bas, dans le compteur de temps qu'on a passé avec le véhicule, c'est passé à 0,1. Voilà. Ce point de forme de bien, nous savons. En même temps, il est passé avec tel véhicule. Bon, je ne sais pas si j'y arriverai. Je pense que je vais faire ça pour la vidéo. Je vais juste les ramener tous ici. Ça passe de l'autre côté parce que sinon on va là récupérer, ça va rester là jusqu'à ce que je fasse la deuxième partie. Bon, je vais faire une mix tant que je récupère. Alors dans ce coup, tout après pour aller vendre les pommes de terre. On va tout de suite. Et voilà, j'ai fini de ranger les bottes, donc on va voir le résultat. Et voilà, hein, c'est magnifiquement rangé. J'ai passé des heures à ranger ça. Ouais, donc c'est très bien rangé. Non mais je les ai ramenés ici, ils étaient presque bien, sauf que j'ai voulu un peu les arranger, mais ça a tout cassé. Donc je me suis dit, je vais laisser comme ça. Et je ferai ça... hors vidéo, donc après cet épisode je rangerai toutes ces bottes là. Je pensais que c'était plus facile que les bottes rondes, mais en fait pas du tout. Et j'avais dit qu'on allait vendre des pommes de terre, à l'auberge. Donc on va les vendre, des pommes de terre. C'est-à-dire celle-là. Vous voyez que à côté du temps passé avec le tracteur, on a dû être en vitesse, et on a dû être en vitesse. On a dû être en vitesse, mais on a dû être en vitesse. Ce mode d'ailleurs vous pouvez le trouver sur le site officiel de Farm Simulator. C'est un mode officiel. On va passer par là. Voilà, on se retrouve juste pour une petite vidéo freestyle. Voilà, j'ai garé mon tracteur dans les escaliers. Je vais aller vendre mes patates. Et je voulais passer par là, c'est cool. Voilà. C'était juste comme ça, une petite partie what the fuck dans la vidéo. Et puis on se retrouve une fois que j'ai tout vendu à la suite. Et me revoilà. Donc qu'est-ce que je fais sur le parking du magasin? Qu'est-ce que je fais là?
J'étais en train de vendre mes patates et je me suis dit, on a pas mal d'argent et j'en ai marre de cette vieille bête. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la revendre. Je l'ai placée là pour qu'on gagne, je sais plus, 30% je crois. 30% en plus en la vendant ici. Voilà, on va la vendre 2940 euros. Et voilà, là on a 23 000 euros et on a assez pour s'acheter celle-ci. Donc acheter. Voilà, donc on passe de ça à ça. On passe de 5700 litres de volume de chargement à 24 200. Donc voilà. En plus, j'étais en train de, comme je vous ai dit, de vider mon stock de patates. Et il aurait fallu que je fasse encore deux voyages, alors que là, voilà, je suis rentré enfin après une bonne journée de travail. On finit notre journée à 23h50. Voilà, donc avec une nouvelle machine, deux nouvelles machines, une nouvelle remorque et un chariot élévateur et sa fourche. Donc voilà, un épisode où on a fait pas mal d'achats. En plus, il nous reste un peu d'argent, 12 500 euros, ça va. Par contre, on a un gros emprunt à rembourser, donc on verra ça plus tard. Attendant, on s'amuse bien avec nos nouvelles machines. Je voulais vous remercier aussi parce que le nombre d'abonnés monte à une vitesse folle. Je voulais faire une vidéo pour les 300 abonnés, même pas la peine, même pas le temps de voir, le temps de faire la moitié de ce que je veux faire quand on est déjà à actuellement 300, presque 340. Donc c'est même pas la peine. Alors je me mets déjà pour les 500 abonnés. Alors je voulais vous remercier pour ça. En plus, on a déjà atteint les 50 000 vues. On en est à 55 000 vues à peu près. Donc c'est plutôt sympa. Et puis alors, les commentaires sont vraiment intéressants. Il y en a qui laissent des commentaires qui m'aident. Alors je les remercie. Et puis bah, je vous remercie tous d'être présents. Et puis on se retrouve dans le 10e épisode du Let's Play. Je ne sais pas quand. Vous savez bien que je mets un bon bout de temps avant de les sortir. Mais en tout cas, la semaine prochaine, vous aurez un hors-série sur je ne sais plus quoi. En tout cas, c'est sûr parce que je l'ai déjà, déjà filmé. Donc, vous êtes sûr de l'avoir vendredi prochain. Donc, bah voilà, à la prochaine. Et puis, encore une fois, merci d'être présent. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur la page Facebook. Et puis voilà, à la prochaine, allez bye bye.